Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à mettre le harnais à votre lapin parce qu'on l'a beaucoup demandé. Donc voilà, je vais chercher mon lapin et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai pris mon joujou, donc j'en ai qu'un, donc j'ai pris Pampan. Enfin, je sais pas du tout si vous voyez. Alors c'est parti, je vais vous présenter tout d'abord mon harnais de féminin. Donc voilà à quoi ressemble le harnais du lapin. Donc je l'ai acheté 4,95 € dans une animalerie qui s'appelle la Grainetterie. Voilà, elle n'est pas que animalerie, elle est jardinerie aussi. Et c'est de la marque Tixi. Donc c'est parti. Non, je présente, c'est pas avec celui-là que je vais vous montrer, pas du tout. C'est un vrai harnais, pas lui. Donc c'est parti donc pour la. La laisse, voilà. Non, arrête, bouge pas. Et voilà à quoi ça ressemble la laisse. En tout cas, je ne sais pas. Voilà. Il faut vraiment pousser pour attacher au petit goupillon. Je ne sais pas si vous me voyez, je suis désolée, mais. Donc, voilà la laisse de mon harnais dans ce moment. Arrête. Voilà, c'est tout violet avec des genre de petits tourbillons violets, vert et jaune. Et. Mieux. Voilà, non, c'est comme une laisse de chien. Voilà. Et le harnais, à quoi il ressemble, voilà. Alors avant de commencer, moi c'est un harnais que j'ai acheté, arrête, à Leclerc, à 7,95 € de la marque Aimé. Ouais, il était de très bonne qualité, pas très, très bonne qualité, mais un peu plus chiant. Mais avant, moi, c'est un harnais pour chat et pas pour lapin. Après, vous pouvez très bien prendre pour lapin, vous pouvez très bien prendre pour chat. Ou chihuahua, si votre lapin est assez gros quand même. Enfin, gros. On enlève tous les poils, c'est comme ça, un lapin. Donc, après ça se règle. Il y a des harnais pour le journal, mais c'est plus petit donc je vous conseille pas de harnais pour cochon d'âne puisque c'est plus petit. Donc, c'est parti. Donc, je vais. Là, j'ai des petits clips. Je les enlève. Je les ouvre. Alors tout d'abord, pour vous dire, je ne vais pas le sortir, c'est juste pour la vidéo. Donc c'est parti, le côté le plus court, il est pour la tête. Et le côté le plus long est pour le ventre. Donc c'est parti, je ne sais pas du tout si vous allez voir. Oui, je sais, je ne sais pas que je maltraite, hein, c'est juste pour qu'il se laisse faire. Donc c'est un peu ce que je veux. Oui, tu m'aimes mon doudou. Donc c'est parti, moi il est déjà à sa taille, sinon pour le serrer, c'est là où il y a le petit, voilà. Et c'est par là pour le serrer pour moi. Donc moi il est déjà à sa taille, donc c'est bon. Je t'aime. Bon, Boboï, je sais pas si vous allez voir, hein. Je vais essayer de garder. Il est trop beau. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, donc comme vous pouvez voir, j'ai attaché au petit goupillon. Voilà. Donc c'est parti, je viens positionner celui. Donc
je vais prendre le bout le plus long de ce côté. Voilà. Et je clipse. Bon, je vous mets comme ça parce que c'est dur à clipser. Petite astuce pour savoir que ça serre pas trop votre lapin. Ici, il faut rentrer minimum 2 doigts. Donc, c'est quand même pas beaucoup serré. Et là, minimum 1 doigt. Donc, je peux passer 1 doigt, 2 doigts, 4 doigts. Là, je peux passer. Donc, franchement, là, c'est pareil. Hein, je peux passer. Oh, oh, oh. Je peux. Arrête, chou. Je peux passer 4 doigts. Mais tu arrêtes. Il est énervant. Donc c'est parti. J'attache ça au petit goupillon. Voilà. Et nous avons le harnais à votre lapin. Donc moi je vais le détacher. Donc ça va être une vidéo comment enlever et mettre le harnais à son lapin. Moi il est très coquin. Hein. Voilà. C'est pas, c'est tout simplement, on enlève les petits goupillons. Non, pas les goupillons, mais on enlève toujours tout simplement les petits clips. Oui. Voilà. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je suis sûre que vous ne voyez pas. Mais voilà, je m'en fiche un petit peu. Bisous, kaboudé, bouddha. Donc si vous avez pu... Ah non, ça va, il n'y a plus rien. Voilà, on vous aime. Et Pampan et moi, on vous dit bisous, bye.